Père, nous te remercions pour l'étude biblique du jour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta merci notre vie. Merci de nous garder en vie afin que tout ce qui est au-dedans de nous, hors de nous, dans notre famille, que tout ce qui est sous notre contrôle te soit soumis pour te servir, pour t'adorer sans réserve au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus à l'étude de la parole ce soir. Nous demandons que ta parole pénètre chaque cœur, purifie chaque cœur et nous attache à une consécration totale avec toi au nom de Jésus-Christ. Et que notre vie, dans chaque détail, soit pour ta gloire. Ce que nous disons, ce que nous faisons, là que nous nous trouvons, que tu sois fait pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous ce soir et donne-nous la compréhension de ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous prions et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Daniel. Daniel chapitre 3. Nous allons voir du verset 1 au verset 18. S'il vous plaît, ouvrez la Bible à Daniel chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il le dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le verset 2 dit, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Nous allons au verset 3. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Allons au verset 13. 13 dit, alors Nebuchadnezzar irrité. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Sadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Verset 14. Nebuchadnezzar reprit la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré, Sadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du satyrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Il n'y aura pas de retard. Vous serez jetés au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. 16 dit, Sadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin, ne sommes pas chagrinés, ne sommes pas blessés, ne sommes pas tristes, n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi. Verset 18.
Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Évidemment, vous connaissez l'histoire. Évidemment, vous avez appris tant de choses de cette portion de la Bible. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle ce que nous devons faire et comment nous devons décider et nous focaliser sur Dieu et sur Dieu seul. Et comme nous venons dans le royaume, comme nous le connaissons, comme nous nous réconcilions avec Dieu, comme nous avons la bonté de la grâce de Dieu qui apporte le salut, la rédemption, la justice à notre vie, les épreuves viendront, les tests, les tentations viendront, il y aura la sollicitation au mal. Mais nous déclarons notre position. Déjà, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes engagés à servir le Seigneur. Nous avons ouvert notre bouche. Que c'est Dieu seul que nous allons servir. Maintenant, l'épreuve viendra pour nous tester, pour montrer si ce que nous avons dit, si nous le ferons ou pas. Et voici Sadrach, Meshach et Abednego qui se tenaient pour la vérité et qui se tenaient avec leur engagement. S'ils savaient que, et ceux qui ne savaient pas, si c'est qu'ils savaient le Nouveau Testament, ils diraient que quelle que soit la menace, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la tentation, qu'ils vont, que de tout leur cœur, avec ferveur, avec courage, ils vont combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous. Maintenant, on a la parole, toute la parole est révélée, la pensée de Dieu nous est révélée, et maintenant nous sommes dans le royaume de Dieu, et les épreuves viendront, et les tests viendront, les menaces viendront, mais nous devons être en mesure, par la grâce de Dieu, par la force du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, nous serons en mesure de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et manifester le courage, nous allons manifester la conviction sur les épreuves. C'est pourquoi nous avons le titre qui est manifester. Manifester le courage avec la conviction sous les épreuves. Ce doit être un courage personnel, un courage par expérience, ce qu'on a reçu du Seigneur, que personne ne peut l'ôter de nous, sur la base de notre salut, sur la base de l'extirpation de la nature adamique, et nous a purifiés, nous l'aimons, nous nous consacrons à lui, et nous sommes à lui à tout moment. Nous avons cette conviction personnelle, et la conviction apporte le courage dans notre vie. Ce n'est pas chose cachée au temps de la dévotion personnelle, au temps de la prière personnelle ou au temps de la prière en famille. Nous sommes consacrés au Seigneur, au lieu public. Alors, lorsque tout le monde est là avec leurs principes et leurs pratiques et ils te lancent le défi, c'est l'heure de manifester le courage. Ce n'est pas que lorsque tu es isolé, tu es seul, lorsqu'il n'y a personne qui te défie. Mais lorsque les défis sont là, les problèmes sont là, les épreuves sont là, lorsque les choses là te confrontent pour ôter ta conviction, c'est l'heure de manifester le courage avec la conviction sous ces épreuves. Nous allons voir trois points. Comme nous considérons ceci, nous allons voir le contraste entre le commandement de Dieu et l'exigence du roi. Le Seigneur a ordonné de ne plus adorer un Dieu devant lui. Mais un homme, un empereur, un roi a érigé une idole, une image. Et le contraste, alors il a donné un édit contraire à la loi du Seigneur. Le contraste entre le commandement de Dieu et l'exigence du roi. Deux, c'est la coercion, c'est-à-dire la contrainte des compagnons pieux à travers la domination du roi. Il dit non. Ils sont ses citoyens maintenant. Ils sont amenés à Babylone. On leur a donné même eux un niveau d'éducation et il leur a donné un boulot à faire. Mais ils ne vont pas seulement dominer.
la vie séculière. Il va aussi avoir la domination sur leur cœur, sur leur âme, sur leur esprit. Et il va déterminer leur destinée. Et comme vous êtes ici à Babylone, vous n'avez pas de décision, vous n'avez rien. C'est moi qui détermine votre vie. Qui vous devez adorer, qui vous devez servir, c'est moi qui vais décider là où vous allez passer l'éternité. C'est là que Sadrach, Meshach et Abednego ont tracé la ligne que non. Oui, on peut travailler ici. Hein. Nous pouvons vivre ici, gagner notre pain ici. Mais notre éternité ne sera pas dans ta main. Notre destin ne sera pas dans ta main. Ils ont tracé la ligne. Quoi qu'il ait la contrainte, la force sur eux, il veut les piétiner afin d'adorer l'idole contrairement à Dieu. Alors, ils ont tracé la ligne. Le temps viendra dans ta vie où tu dois tracer la ligne. Lorsque quelque chose touche ton éternité, lorsque quelque chose touche le destin, la destinée de ton âme, quelle que soit la chose sur terre, lorsque cela parvient au niveau et les gens veulent décider pour toi que tu ailles en enfer avec eux, c'est l'heure de tracer la ligne. Quelle que soit la pression, la douleur, la souffrance, quelle que soit la conséquence de ce que les gens essaient de faire, tu dis que voici ici où je me trouve, je trace la ligne, tu ne vas pas dépasser cette ligne pour prendre, pour amener mon âme en enfer. La contrainte des compagnons pure à travers la domination du roi. 3. L'affirmation d'une consécration glorieuse. 3. Le comportement et le sang-froid gracieux malgré la dangerosité du roi. L'homme là était très dangereux. Tu ne peux même pas argumenter avec lui. Tu ne peux rien discuter avec lui. Soit que tu le fasses, si tu l'adores, d'accord, je te laisse. Mais si tu ne fais pas ça, je te jette dans la fournaise ardente. Et Shadrach, Meshach, Abednego, qui est ce Dieu-là? Qui peut vous délivrer de mes mains? Et ils étaient calmes, ils ont le sang-froid. Et ils ont dit, vas-y, fais ce que tu veux faire. Nous aussi, nous allons faire ce que nous voulons faire. Nous n'allons pas faire ce que tu nous dis de faire. Parce que ce que tu nous dis de faire là, nous conduira en enfer. Nous n'allons pas faire cela. Nous n'allons pas aller en enfer pour toi. C'est ton éternité. Tu peux faire ton feu ici. Tu peux brûler des choses ici. Tu peux bâtir une fournaise ici. Mais nous allons tenir bon. C'est la conviction qu'un enfant de Dieu doit avoir. Que tu prends tout, même la vie. Tu prends cela à la main légère, afin que personne ne te dise que c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu ne peux pas faire sans cela, tu ne peux pas vivre sans cela, comme tu ne peux pas vivre sans cela. Donc, il passe par cela pour te tirer et t'amener en enfer. Mais nous irons au ciel. Toi, tu iras au ciel. Il n'y a personne qui puisse ôter pour te ravir le ciel et le remplacer avec l'enfer à cause de leur menace. Et on va au premier point ici, le contraste entre le commandement de Dieu et l'exigence du roi. Vous savez déjà que Dieu a commandé de ne pas adorer l'idole. Mais Nebuchadnezzar a décidé de contrarier Dieu. S'il veut agir contrairement à ce que Dieu a dit, il ne va pas m'utiliser ni t'utiliser pour atteindre ses objectifs. Voyons, nous allons voir trois points ici. Nous allons voir un ici. De grandes transgressions après un grand témoignage. 2. De grandes menaces d'un grand tyran. Et numéro 3 ici, de grandes épreuves avec un grand triomphe. Numéro 1, c'est de grandes transgressions après un grand témoignage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cet homme qui a érigé une image d'or, cet homme qui voudrait que lui et tout le monde adore cette idole, l'homme-là qui menace que si vous n'adorez pas l'idole d'or que j'ai érigée,
Alors, il s'érige au-dessus de Dieu, cet homme. Regardez le témoignage qu'il a donné avant ce temps-ci. Daniel 2, verset 47. Daniel 2, 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Vous connaissez bien l'histoire. On l'avait étudié, il avait un rêve qu'il a oublié et il menaçait de tuer tous ses anciens et les Chaldéens, les sages, s'ils n'ont pas pu lui révéler et lui interpréter le rêve. Aucun Chaldéen à Babylone, aucun sage à Babylone n'a pas pu lui faire redécouvrir le rêve. Mais Daniel lui a dit, donne-moi le temps, je vais te récupérer le rêve là. Une seule nuit, Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego ont prié. Le Seigneur leur a révélé le songe. Ils sont venus voir le roi. Voici le songe et tous les détails du songe. Tout ce qui lui était arrivé au cours du jour. Et voici la nuit. Et là, Daniel a tout révélé. Et Daniel, Nebuchadnezzar lui-même a dit à Daniel que, en vérité, il n'y a pas une ombre de doute ici que votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Le secret qu'aucun sage de Babylone n'a pu révéler, tu l'as révélé. Tu sers un grand Dieu, le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Et voyons le verset 48. Verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Verset 49 qui dit, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Voyons son grand témoignage. Regardez sa grande déclaration, ce qu'il avait dit au sujet du Dieu du ciel, au sujet du Dieu des dieux et du Seigneur des seigneurs. Regardez son grand témoignage qu'il a déclaré. Et il a publié partout que voici ma confession au sujet du Dieu du ciel. Cependant, l'homme-là ne s'était pas converti. Nous devons être très prudents quand on entend quelqu'un parler. Il a dit quelque chose comme un grand témoignage que le Dieu qui fait des choses comme ça ici, c'est prodigieux. Je n'ai rien vu de pareil. Et on cherche à venir rester dans ta maison. Regardez le témoignage là. Alors, qui ne va pas héberger une telle personne? Il faut prier et bien penser. Ce n'est pas ce que les gens ont dit, ce qui est dans leur cœur. L'idolâtrie dans le cœur de Nebuchadnezzar, depuis sa naissance, est là par la tradition. C'est mis là-bas par la famille. C'est mis là-bas par son acceptation de l'idolâtrie. En tant que roi, il est idolâtre. Et avec tous ses magiciens, ces choses-là sont toujours dans son cœur. Avec le grand témoignage, il est un grand Dieu, il est un grand Seigneur, il révèle les secrets. Aucun Dieu n'est semblable à votre Dieu. Mais cela ne convertit personne. Allons à Tite. Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leur œuvre. Ils le renient par leur comportement. Ils le renient par leur caractère. Ils le renient par leur politique secrète. Alors, quand ils viennent au lieu d'adoration et que le peuple de Dieu est là, ils vont donner un témoignage flamboyant et ils vont proférer de grands témoignages comme ils sont déjà au ciel. Mais leur cœur n'est pas changé, leur cœur n'est pas converti. C'est la conversion du cœur. C'est le cœur de l'homme
du garçon, du fille, de la fille qui montre que cette personne croit en Dieu. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Pensez-y. Et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est pourquoi vous devez examiner votre vie aussi. Êtes-vous né de nouveau? Es-tu converti? Ton cœur est-il changé? Ou bien c'est la parole de bouche seulement? Est-ce que c'est seulement la manifestation extérieure que tu as? Ou bien est-ce que tu es totalement converti au Seigneur? Allons à Marc. Marc chapitre 7. Marc 7 verset 6. Marc 7 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Et Nebuchadnezzar est le grand hypocrite à Babylone. Et Jésus a dit, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres. Dieu est le Dieu des dieux. Dieu est le Seigneur des seigneurs. Cependant, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur n'a pas été lavé, le cœur n'a pas été purifié, le cœur n'a pas été transformé, changé. Quoi qu'ils disent que Dieu est grand, Dieu est bon, tout cela, voilà le verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, verset 22 dit, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23 dit, toutes ces choses mauvaises, les choses mauvaises qui sortent du cœur, les choses mauvaises que faisait Nebuchadnezzar, le mauvais langage, les paroles blasphématoires, toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, Nebuchadnezzar peut donner un grand témoignage, mais il commet de grands péchés, des péchés terribles contre sa vie personnelle. Ces gens-là ne sont pas à Dieu, ils ne croient pas en Dieu, et quoi qu'il crie fort, qu'ils croient en Dieu. Mais lorsque le Seigneur viendra et que la trompette sonnera et que les véritables croyants, enfants de Dieu, convertis, consacrés, qui se sont livrés au Seigneur, lorsqu'ils iront au ciel, ces bavards, criards et ces gens qui se montrent comme ils sont de grands croyants seront abandonnés sur la terre et vont souffrir le châtiment éternel avec les incroyants en affaire pour toujours. Voyons la deuxième partie ici qui est de grandes menaces d'un grand tyran. De grandes menaces d'un grand tyran. Il y a des gens qui se font Dieu et croient que la vie de quelqu'un est dans leurs mains. Disent que tu peux dire que tu es né de nouveau, tu peux dire que tu lis la Bible. Et tu crois toutes ces promesses que si je traverse les eaux, elles ne me submergeront pas. Mais si tu marches dans le feu, cela ne te brûlera pas. Mais nous allons te montrer que nous sommes plus grands que la parole de Dieu. Voilà, ils croient qu'ils sont Dieu. Ils amènent de grandes menaces. Et ils sont prêts à faire ce qu'ils ont dit. Mais ils veulent que tu les considères comme s'ils sont ton Dieu. Ils veulent que tu les considères comme l'autorité finale. Ils disent que si tu vas vivre longtemps sur terre, cela ne dépend pas de la part de Dieu. Que si tu vas vivre longtemps sur terre, que cela dépend de lui. Cela dépend d'elle. Ils vont te menacer. Et si tu ne connais pas ton Dieu, si tu n'es pas en communion avec Dieu comme Sadrach, Meshach et Abednego, tu pourrais être menacé. Et si tu crois, si tu penses à la vie de trop, et si tu penses à la vie éphémère, tu penses à cela comme quelque chose de très important, et tu ne penses pas à l'éternel, à l'éternité du moins, ce que Dieu dit, ce que Dieu fera, leurs menaces vont t'attraper. Le tyran va
t'écraser comme on fauche une fleur et on l'écrase. Le Seigneur vous donnera la compréhension. Quel que soit ce qu'ils disent, quelle que soit leur menace, tu vas tenir pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Daniel 3, verset 4. Nero cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toutes langues. Verset 5. Au moment, même si vous dormez, vous devez vous réveiller pour adorer l'idole de Nebuchadnezzar. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du satyrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas, quel que soit son statut social, quiconque ne se prosternera pas, quelle que soit sa position, sa connexion, son pouvoir, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Le verset 7 dit, c'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent, sans exception, le son de la trompette, du salumeau, de la guitare, de la sambuque, du satyrion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Il n'y a personne qui ait le courage, il n'y a personne qui ait ça, qui ait pu prendre sa décision. Il n'y a personne qui ait la conviction, il n'y a personne qui puisse manifester son courage. Que j'ai appris ceci lorsque j'étais jeune, j'ai appris ceci lorsque j'étais au pays, j'ai appris ceci lorsque papa et maman m'ont lu la parole de Dieu. Alors, il n'avait plus de conviction, il n'avait plus d'esprit. Lorsque toute la société, là où la société va, c'est là qu'ils vont. Il y a des gens comme ça ce jour, ils viennent à l'église le dimanche, ils vont à l'église locale et ils professent être enfant de Dieu, ils sont croyants. Attendez jusqu'à ce que un péché flagrant, un péché les secoue. Attendez jusqu'à ce que les gens du monde promulguent un édit que voici ce que tout le monde va faire. Vous allez ensuite, vous allez savoir si tout le monde a la conviction ou pas. Mais dans le cas de ces gens-là, à cause de grandes menaces et du grand tyran derrière cela, voici ce que ces gens ont fait. Voyons Actes chapitre 4, verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Vous rappelez bien, Christ le Sauveur, notre Seigneur, a donné à ses disciples ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire prêcher la parole, prêcher la repentance en son nom parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Maintenant, là où ils devaient commencer, lorsqu'on les menaçait de ne plus parler en ce nom-là, à partir de ce jour, de ne jamais parler de ce nom à personne. Le verset 18 dit, et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Il voudrait qu'il renie Jésus. Jésus, le seul fondement, la seule pierre fondamentale, la pierre fondamentale de notre salut. Il disait à ses disciples de ne pas enseigner au nom de Jésus. Si tu n'enseignes pas ce que Christ dit, que si l'homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu, quoi d'autre allez-vous enseigner? Le verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Verset 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que
Nous avons vu et entendu. Ils ont tenu bon. Le Seigneur vous aidera à tenir bon partout au nom de Jésus-Christ. Lorsque les gens du marché voudraient vous pousser à contribuer de l'argent pour adorer les idoles que tu dois donner, ta part. Tu dois être en mesure de dire que voici la part de Dieu. Je ne vais pas contribuer pour une idole. Et leur sonne pour toi de prendre une jeune dame en mariage et que on te connaît. Les parents disent que nous on ne connaît pas l'église, on ne connaît pas la Bible. Ce que nous connaissons, c'est notre idole. Il veut que tu adores leur idole, que tu paies quelque chose faisant partie de la dot, ce que tu vas donner à l'idole. C'est l'heure de prendre ta position. Si même si tu dis que je veux me marier, même si je rate le ciel, tu vas avaler leur système. Et si tu travailles quelqu'un, un directeur, un employeur qui dit que voici ce que je veux, alors qu'il n'est pas chrétien, que c'est un idolâtre, et quiconque, s'il donne un travail à quelqu'un, voici ce que la personne doit faire. Et il t'appelle à faire ce qui est contraire à la part de Dieu. C'est l'heure de prendre ta position ferme. C'est là qu'on reconnaît celui qui est croyant et celui qui ne l'est pas. En un pareil moment, je prie que tu tiennes bon. Je vais tenir bon. Deuxième Timothée 3, 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Nous devons être en mesure de supporter. Il y a quelque chose dans laquelle il faut persévérer. Les défis qui vous parviendront et ils vont te parler doucement. Tu dis, mais je ne fais pas cela, je ne peux pas faire cela. Je suis croyant. On te rapporte à l'autorité supérieure et l'autorité t'appelle. Il y a déjà une commission, trois personnes assises, un jury là-bas. Dit que tel monsieur, madame, voici ce que nous faisons ici. Ceci, c'est établi ici avant que tu ne viennes ici. Donc, tu dois faire ceci. Faut pas amener l'église ici. Arrivé à ton église, pratique l'église là-bas. Arrivé au lieu de travail, sois un pratiquant ici. Oui, tu fais partie de l'église là-bas, fais cela là-bas. Mais arrivé ici là, voici ce que tu dois faire. Et c'est contraire à la part de Dieu. Tu ne vas rien signer qui soit contraire à la volonté de Dieu. Et puis on te fait pression. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu tiens bon. Et l'un d'eux va te dire que, madame, ceci là, tu seras licencié. Sadra, Mesaque et Abednego savaient que ceci là va leur coûter la vie. Que notre vie est plus grande que l'emploi. L'emploi, si nous sommes croyants, nous devons avoir la doctrine de la part de Dieu, la conduite de vie, la foi et la longanimité, la charité, la persévérance. Tes collègues vont t'appeler en cantimine que, monsieur, on t'aime, hein? On ne veut pas que ces gens-là te licencient. Nous t'aimons vraiment. Hein? Nous voulons que tu ailles en affaire que de perdre ton boulot. Tu dis, je ne connais rien. Mon désir numéro un, ma conduite, c'est d'aller au ciel. Et puis, si tu perds ton boulot, ils vont te dire que ouais, on te l'a dit, non. Mais tu auras un meilleur boulot. Donne-moi un bon amen. Voilà le verset 11. Mes persécutions. Et Paul dit que vous connaissez ma vie, vous connaissez mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supporté? Nous devons supporter cela. Ils vont nous menacer. Ils vont dire des choses contre nous. Ils vont même nous ôter nos droits. Mais dit, et quelle persécution n'ai-je pas supporté? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
tout, sans exception. Ce peut commencer tout proche de toi à la maison, ou bien en un lieu public, ou bien au lieu de travail. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 14. Toi, demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Jérémie chapitre 12. Quelqu'un dit que ce qu'on est, que les choses qu'on traverse, ce sont de petites choses. Et il ne m'a pas salué. Elle ne me respecte pas. Bon, il ne sourit pas avec moi. Et il parle derrière moi. Toutes ces choses sont de moindres choses à comparer à ce que Sadrach, Meshach et Abednego avaient traversé. Demande-toi. Et si j'étais l'un de ces trois compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, posez-vous la question. Et si je fais face à un tyran, un furieux comme Nebuchadnezzar, tout ce que tu traverses là ne serait que du rien. En Jérémie chapitre 12, verset 5, qui dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, si toutes ces petites choses qui se produisent et que tu appelles persécution, que tu appelles ta croix, que tu appelles tes difficultés, que tu appelles tes épreuves, si toutes ces petites choses-là, tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Il dit que si tu ne peux pas combattre avec ces petits-là, quand Nebuchadnezzar vient, quand un tyran vient, quand quelqu'un vient dans ta vie, la personne dit que toute la conviction que tu as depuis que tu es devenu chrétien, que tu dois cesser cela si tu vas rester avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire en ce temps-là? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuse du Jourdain? Voyons, troisième section ici, de grandes épreuves avec un grand triomphe. On va à Jean 16. Jean 16, 33, les paroles de Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Voici la parole de Christ. Vous aurez des tribulations dans le monde. Pas tout le monde vous dolotera, pas tout le monde sera content de toi si vous êtes un homme de conviction, une femme de conviction. Pas tout le monde te dira, oui monsieur, oui madame, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est pas tout le monde qui te respectera, mais tout le monde ne fera pas ça pour toi. Et d'ici que vous aurez des tribulations dans le monde, des épreuves, des tests, des menaces, des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce que tu es connecté à Christ et tu es totalement lié à Christ et tu ne vas pas faire demi-tour, tu ne vas pas faire votre face, tu vas vaincre le monde au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 1:6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant. Restez là-bas, restez sous la pression là-bas, restez sous la menace et la tribulation. C'est pour un temps. Vous ne parlez pas, ne dis rien d'insensé, ne soyez pas comme le monde. Ne vous vengez pas, restez là-bas calmement avec votre cœur, offrant la prière et la louange au Seigneur. Alors, vous adorez Dieu, vous adorez le Seigneur pour la grâce qu'il vous donne. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisque
puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 7. Afin que l'épreuve de votre foi, c'est la raison, c'est l'objectif. Les gens voudraient ôter cela de vous. Votre fils, lorsque le fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Les gens seront sous pression que les choses qu'on leur fait dans le monde, les choses, les menaces dont ils sont victimes, vont ôter les choses, leur foi. Et ils ne seront plus comme ce qu'ils étaient aux premières années de leur foi chrétienne. Mais vous devez comprendre, quelle que soit la pression, c'est l'épreuve de votre foi, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8 dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Déjà, on sait que quiconque vit pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Tout le monde, les jeunes aussi sont persécutés à l'église, ils sont persécutés du moins à l'école, les pères, les mères, tout le monde souffre la persécution pour ce que nous croyons. Donc si cela vient à vous, tenez-vous pour la justice, tenez-vous pour Christ, pour la parole de Dieu, pour la volonté de Dieu. Les épreuves viendront. Ne prenez pas ça, ne croyez pas cela comme une chose étrange, comme si quelque chose d'étrange vous arrive. Et verset 13 dit, réjouissez-vous, plusieurs portent des plaintes, plusieurs deviennent timides, peureux, ceci arrive aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va arriver demain, je ne jouis plus de la vie, les gens se plaignent de tout. Il m'a dit, ne vous plaignez pas, réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Si vous prenez part à son salut, si vous prenez part à ses provisions, si vous prenez part aux provisions qu'il a faites, il dit aussi que nous devons aussi réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Dans chaque vie. Allons au deuxième point. Nous allons voir la contrainte des compagnons pieux à travers la domination du roi. Quand nous parlons de la contrainte, c'est une pression, c'est la force. C'est-à-dire que les gens vous poussent et vous contraignent, ils vous acculent. Et même s'ils vous acculent, ils continuent de vous pousser jusqu'à ce que vous soyez écrasé. Notre nature naturelle, notre vie naturelle, c'est que on n'aime pas la coercion, on n'aime pas la force, on n'aime pas que quelqu'un nous pousse, nous traite, de façon à nous blesser, à nous faire du mal. Alors, on vous contraigne pour bien chauffer le feu, pour que vous fuyez. Soit que vous fuyez la foi chrétienne, ou bien que vous abandonniez votre lieu de travail, ou bien que vous abandonniez votre ministère, ou bien que vous abandonniez votre vocation, que vous fuyez votre mariage. Que ce soit la belle famille, lorsque les gens chauffent le feu là, et lorsqu'ils gagnent le cœur de leur fils, de leur fille, et ils te font pression, c'est la coercion, ça c'est la force, c'est la contrainte. Si tu fais face à cela, si tu es une personne normale, et la grâce
de Dieu n'a pas fait de toi une personne extraordinaire et on te pousse de cette manière. Tu vas dire, pourquoi font-tu ceci? Parce que tu es sauvé à cause de ton salut et tu dis, je ne peux plus le supporter. Soit tu abandonnes ton salut là. Tu dis, si c'est pour le salut, ceci c'est trop pour moi. Et tu perds le ciel et tu rates le ciel. Ou bien, méthodiquement, tu sors, tu quittes là où Dieu t'a mis. Dieu t'a placé dans la famille là-bas, il t'a placé dans le ministère là-bas, il t'a mis là où tu travailles. Mais le feu là-bas, c'est trop. Tu dis que si c'est à cause du travail, moi je ne veux rien. Et puis tu sors. Ça, ce n'est pas bon. C'est là que Dieu t'a mis. Ou bien, tu dis que là où je vais, partout je vais, cette pression, c'est trop la question, la force. Et tu dis, moi, je vais quitter la vie. Si tu quittes la vie, c'est le pire même. Si tu prends une pilule, un médicament, et tu l'avales, tu sais que dès que tu prends la surdose, tu vas mourir. Tu crois que tu échappes à la force, à la pression, à la fournaise, au feu de Nebuchadnezzar. Tu iras à l'autre feu, l'enfer, qui sera pour toujours. Quel que soit ce qui arrive, qui que soit la personne qui fait pression sur toi, quelle que soit la pression, quelle aussi fatigué que tu sois, reste là-bas. Il ne faut jamais prendre ta vie. Il ne faut jamais ne quitter pas le monde. Il ne faut jamais quitter le monde pour l'éternité pour dire que c'est trop. La force ne doit pas nous pousser à faire quelque chose de mauvais. On se tient contre le péché. On se tient contre le mal. On se tient contre la coercion, contre la force du mal. Et tu permets maintenant à la force, à la pression de te pousser à commettre le plus grand des péchés. Te suicider, c'est le meurtre. Tu ne dois pas toucher, tuer. Si cela arrive, tu permets à Satan de t'acculer et tu choisis d'aller en enfer au lieu de rester ici. Tu vas rester ici. Je dis, tu vas rester ici. Et Dieu est fidèle. Il ne te permettra pas d'être tenté au-delà de ta force. Et avec l'épreuve, avec la tentation, Dieu va te frayer le chemin et tu vas y échapper. Tu seras affranchi au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, l'accusation contre les compagnons pieux devant le Babylonien furieux. C'est Nebuchadnezzar. 2, nous allons voir l'acceptation de la compromission par le terrible blasphémateur. On va dire que d'accord, oui, je vais t'accepter. Parfois, on est censé à prendre la décision. Oui, voici, je te donne une autre occasion. Voici l'heure de spéculer avec ton âme. Et si tu perds ton âme, tu vas dire que oui, je suis désolé de la justice d'hier, de la semaine passée. Alors, tu t'attristes pour la justice, pour la sanctification, pour la fermeté de ton passé. Maintenant, tu fais tout. Alors, ma mère, mais que il faut aller calmement. Oui, il y a d'autres juifs qui sont là. Non, tu n'es pas le seul, non. Regardez ces autres juifs-là. Ouais, ils se prosternent. Donc, si tu reconsidères et tu as ce jeu-là de compromission-là, d'accord. Mais sinon, si tu es rigide, si tu es ferme, si tu dis que me voici ici debout, Nebuchadnezzar dit, moi aussi, je vais te montrer, non. Je vais te montrer là où je me tiens. Il se tient pour l'idolâtrie. Quiconque ne va pas adorer l'idole là, la personne sera jetée dans la fournaise ardente. Alors, c'est le jeu là qu'il veut que tu embrasses. Ouais, quand les gens parlent avec toi, ils pourraient ne pas te parler aux vêtements, mais par action. Ils pourraient ne pas te parler directement, mais ils vont te parler avec les actions corporelles, avec la furie au visage. Il te dit que calme-toi, change ta décision. Il te dit, transige,
compromet. Il te dit que tu les embrasses comme leur Dieu. De ne pas avoir le regard sur le ciel comme la seule autorité sur toi. Il t'appelle à la compromission. La compromission est un jeu. Tu joues avec ton âme. Sadrach, Meshach et Abednego ne vont pas. Ils ont dit, mais fais ce que tu veux. Tu es libre de chauffer, de réchauffer le feu. Moi aussi, j'ai la liberté de tomber dans le feu si tu me mets là-bas. Mais tu ne vas pas me pousser à délibérément compromettre pour perdre mon âme. Sois prudent. La compromission, c'est le jeu avec ton âme. Toi, ça, on voit ici l'affirmation d'une consécration glorieuse par les croyants fortifiés. Voilà la première partie ici, qui est l'accusation contre les compagnons pieux devant le Babylonien furieux. Connaissez bien l'histoire. Ils ont été rapportés. Et c'est dit qu'il y a trois hommes dans ton royaume. Il les avait promus d'être ici et là. Mais ils n'adoraient pas ton idole. Mais laissez-moi vous rappeler. Satan est derrière toute cette accusation. Satan voulait qu'il compromette. S'il ne compromette pas, Satan veut qu'il soit brûlé dans le feu. On va à Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Le verset 10 dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. L'accusateur sera précipité. Je dis l'accusateur sera précipité. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous devez comprendre. La personne derrière l'accusation. Je n'ai pas fait cela. Mais comment les gens disent cela de moi? Mais allez voir. Mais je n'étais pas là. La personnalité derrière l'accusation là, c'est le diable. Vous n'allez pas pleurer pour le diable. Lorsqu'il vous accuse de cette manière, mais tu ne connais ni la tête ni la queue. On dit que voici ce que tu as fait. Mais pourquoi? C'est seulement Sadrach, Meshach, Abednego. Et les gens suivent Sadrach, Meshach, Abednego comme si on les formait. Ne vous en faites pas. Le Seigneur va se manifester puissamment par la persécution que vous traversez au nom de Jésus. Deuxième partie ici, c'est l'acceptation du jeu de compromission par le terrible blasphémateur. Alors, voyons. Daniel 3, verset 14. Nébuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré, Sadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Si vous reconsidérez, si vous pensez à cela encore, et vous êtes jeune, si vous pensez à votre vie, si vous pensez à ce qui va se produire maintenant, si vous ne vous soumettez pas, si vous ne vous abandonnez pas, abandonnez votre volonté au-dessus de la main de Dieu et alors que votre volonté soit sous mon contrôle. Si vous ne faites pas cela, vous pouvez reconsidérer cela et bien penser à cela. Vous avez beaucoup de choses devant vous, votre vie, votre bonheur. Ne voulez-vous pas être heureux dans la vie? Votre joie, ne voulez-vous pas être joyeux, mais ne voulez-vous pas être sous ma furie, sous ma colère? Est-ce que vous ne voulez pas, un moment de plaisir pour jouir de votre vie? Considérez cela. Toute la vision que vous avez, l'aspiration que vous avez, l'ambition que vous avez, si vous êtes rigide de cette manière, je vais tout éliminer. Vous n'irez pas à ce lieu que vous voulez aller. Considérez cela et compromettez. C'est ce qu'il leur disait. C'est ce qui nous arrive dans la vie. Lorsqu'on nous menace,
N'as-tu pas de but? Est-ce que tu n'as pas une idée? Est-ce que tu n'as pas de destinée? Est-ce que tu n'as pas quelque chose à réaliser sur terre? Est-ce que tu ne veux pas être content? Est-ce que tu ne veux pas être joyeux? Est-ce que tu ne veux pas avoir la force, la santé? Pourquoi tu veux être seulement sous le dérangement à tout moment? Considère cela. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on va vous dire. Mais la considération ne va pas ôter le facteur de Dieu. Cela ne va pas ôter la puissance de Dieu, la prophétie de la Bible, les promesses du Seigneur. Cela ne doit pas ôter le plaisir du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu désire? Qu'est-ce que Dieu demande? Cela ne ôte pas cela. Seulement, vous pensez à vous-même. Ça, c'est l'égocentrisme. La dépravation qui nous fait croire que seulement ma joie, je veux être heureux, je veux être joyeux, je veux réussir, je veux être ceci, cela. Si je ne compromets pas avec eux, donc je vais tout perdre. Ça, c'est la dépravation. C'est parce que tu es égocentrique. Mais si tu dis, mon cœur, ma destinée, tout ce que j'ai, ce que j'aurai, c'est dans la main de Dieu. S'il croit qu'il peut vous faire heureux, qu'il le fasse. S'il croit qu'ils peuvent te tuer, qu'il fasse cela. Mais tu as décidé que tu vas servir Dieu et que rien ne va ôter cette décision, cette consécration de toi au nom de Jésus-Christ. Et il a voulu qu'il compromette. Et au milieu du verset, il a dit que, si vous ne savez pas et que vous serez jetés dans le feu, dans la fournaise ardente, et qui est ce Dieu-là, leur langage parfois va effrayer le croyant. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Voici ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent te torturer, ils peuvent te tourmenter, ils peuvent te rendre misérable sur terre ici. Et ils disent que, vas-y, tu es guéri de prière, tu peux prier, va prier. Tout dépend des promesses de Dieu, oui. Oui, va citer les promesses de Dieu. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux sortir de ceci et va jeûner. Quel que soit le nombre de jours que tu veux jeûner, va faire. Mais je te dis ça, hein. Si tu ne compromets pas là, toi là, on va t'éliminer. C'est pourquoi les gens craignent. Et les gens ne peuvent pas aller avec leur conviction. Mais, ils ne peuvent rien faire. Je vais entendre un bon amen. Nebuchadnezzar lui-même a dit après, dans le chapitre 4, que ceux qui marchaient dans l'orgueil, que Dieu est en mesure de les rabaisser. Regardez l'histoire de cet homme-là. Le Seigneur l'a rabaissé. Au point d'être un animal. Il a mangé de l'herbe. Sadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient toujours vivants. Vous serez vivants. Toutes ces menaces-là, c'est rien. Si tu es sérieux, qu'il avance, qu'il fasse ça. Dieu a le dernier mot dans votre vie. Donc, il a dit, qui est ce Dieu-là qui peut vous délivrer de ma main? Et s'ils compromettent? Et s'ils ont dit, ceci va de trop, arrêtons ce scénario. Cela veut dire que ils compromettent pour perdre leur vie. Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Si tu compromets, si tu t'accordes avec Nebuchadnezzar, si tu fléchis devant son idole, si tu deviens idolâtre et que tu perds ton âme, qu'as-tu gagné? Quel que soit ce que tu gagnes par la compromission pour toute l'éternité, tu vas regretter. Verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Nous allons au Proverbe 29. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège. La crainte de Nebuchadnezzar, la crainte de Pharaon, la crainte de Hérode, la crainte de cet homme-là, de cette femme-là, la crainte
de complot, la crainte de la souffrance tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Luc chapitre 12, verset 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Comme Nebuchadnezzar, ils peuvent tuer le corps, jeter le corps dans le feu. Après cela, et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Verset 5. 5 dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez, ce sont les paroles de Jésus. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, celui que vous devez craindre. Nous allons à la troisième partie ici. C'est l'affirmation d'une consécration glorieuse par les croyants fortifiés. Nous allons à Daniel chapitre 3, verset 16. Sadra, Messac et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils n'ont pas dit au roi, roi exalté, ils ne l'ont pas flatté. Les croyants doivent revenir à la vraie foi. Qu'on ne flatte pas les gens. Dans notre cœur, nous savons que Nebuchadnezzar n'est pas Dieu. Nebuchadnezzar n'accepte pas notre conviction en servant Dieu. Et il n'embrasse pas la voix de Dieu. On le sait. Mais pourquoi le flatter? Quelqu'un a atteint une position. On sait que la personne a pu faire quelque chose qui puisse déstabiliser la vie de quelqu'un. Et puis on écrit une lettre de félicitations, de solidarité. C'est l'incrédulité dans votre cœur. C'est l'hypocrisie. Ne permettez pas à la crainte de l'homme et à ce que les gens feront. Bon, parce que tu veux te protéger et sans penser à Dieu seul, alors tu les flattes. Tu envoies ceci, tu envoies cela. Non! Sadrach, Messach et Abednego répliquèrent. Au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de ta main. Et nous savons que tu n'entends personne. Il n'y a personne qui puisse t'en parler. Tu fais ce que tu veux. Mais... Fais ce que tu veux faire. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sachez que ceci n'est jamais arrivé à personne. Cette menace, cette épreuve n'est jamais arrivée à personne. Cette situation n'est jamais arrivée dans l'histoire qu'un roi menace des gens de cette manière. Même si cela n'est jamais arrivé à personne et c'est toi la première personne, Dieu fera de toi un exemple de la manifestation de miracles. Et il dit ici que, sinon, il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, comment tu réponds à cela? Il nous délivrera. Mais on ne sait pas ce qu'il désire faire. Et s'il fait contrairement. Verset 18. Sinon, et si toute la prière qu'on adresse à Dieu, Dieu n'exauce pas ça, il répond à une autre manière. Et si toute la confiance et toutes les citations de la promesse de Dieu, et si Dieu n'exauce pas de cette manière, et pour éteindre le feu. Et si le feu continue de brûler, qu'allons-nous faire? Notre foi, notre confiance ne se repose pas sur les suggestions arrivées dans le feu là-bas, que le feu là va s'éteindre, que le feu là ne sera plus chaud, cela ne va pas brûler. Ce peut être ailleurs. Dieu peut te préserver dans ce feu là. Tout feu qu'un homme, qu'une femme, qu'un groupe de personnes, tout feu
que les gens ont allumé, Dieu peut te préserver. Si tu dis, Dieu ôte le feu, Dieu éteint le feu, Dieu fait ceci, Dieu met le feu. Si Dieu n'exauce pas de cette manière, est-ce que cela veut dire qu'on va succomber, on va compromettre, on va dire que je crois que ça va arriver de cette manière, puisque cela n'est pas arrivé de cette manière, je compromets. Jamais. Nous n'allons pas compromettre. Tu ne vas pas compromettre. Si tu es né de nouveau, et laisse le résultat dans la main de Dieu. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Puisse Dieu accorder à chacun de nous, oui, cet esprit fortifié, ce courage fortifié, la détermination et la diligence au nom de Jésus-Christ. Allons au troisième point. Troisième point, le comportement et le sang-froid gracieux malgré la dangerosité du roi. Nous avons lu le passage déjà. Nous allons voir trois points ici, trois sections ici. Un, le courage de foi calme sous le feu. Le courage de foi calme. Le courage de foi calme sous le feu. Le courage ne tremble pas. Le courage n'a pas le cœur qui palpite. Le courage ne fait pas de quelqu'un regarder ici et là et il cherche à contacter quelqu'un, à parler, que quelqu'un parle à Nebuchadnezzar pour que cela n'arrive pas. Lorsque cela arrive, la persécution, lorsque cela arrive, la menace, lorsque cela arrive, les épreuves, tu demeures calme. Si tu as foi en Dieu, si tu as tout abandonné dans les mains de Dieu, si tu as tout abandonné dans les mains de Dieu, c'est ce que Dieu va faire. Laisse quelque chose à Dieu pour que Dieu considère cela. Que tu dis que mes mains ne sont pas là, ma pensée n'est plus là, je vais dormir. Lorsque Pierre est allé dormir, le lendemain, la veille de ce que Hérode fera pour l'exécuter, il n'est pas dérangé. Il est allé dormir. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Lorsque tu as le courage en Dieu, le courage en lui, tu es calme. Tu laisses le résultat dans les mains du Seigneur. Tu as le courage de foi calme sous le feu. Deux, et c'est la conviction constante. Tu peux t'examiner. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois adorer l'idole? Non. Est-ce que c'est mauvais d'adorer les idoles? Oui. Ma conviction est que Dieu seul est celui que je dois servir. Tu ne peux pas servir Dieu et l'homme, Dieu et le monarque, Dieu et maman. Tu dois servir Dieu et Dieu seul. Tu ne dois pas être si humble, si mou, que tu soumettes ton âme entre la main d'un monarque, d'un homme, de quelqu'un. Donc, ils ont gardé leur conviction constante et ils sont intrépides malgré sa furie. 3. C'est leur consécration, leur claire consécration et leur fidélité au fidèle. Lui, il est fidèle. Et en le servant, il désire et il mérite notre fidélité. Il ne nous déçoit pas. Pourquoi le décevoir? Il ne nous échoue pas. Pourquoi l'échouer? Alors, il ne nous rejette pas. Il ne nous abandonne pas dans les difficultés. Pourquoi devons-nous maintenant trembler et être peureux et vaincus par Nebuchadnezzar, le blasphémateur de tout? Numéro 1 ici. Numéro 1 ici. C'est leur courage de foi calme sous le feu. Daniel, chapitre 3, versets 16 et 17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Lorsque quelqu'un a peur, on peut voir la peur dans son visage. Quand quelqu'un est timide, on peut entendre, on peut voir la timidité là dans sa façon de parler. Quand quelqu'un tremble, ça peut se montrer dans sa voix.
Mais Sadrach, Meshach et Abednego, avec leur voix calme, alors ils ont parlé sans avoir peur de quelque chose. Ils ont dit que répliquèrent Sadrach, Meshach et Abednego, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas épouvantés de te répondre là-dessus. Verset 17, voici notre Dieu. Notre Dieu, notre Dieu. Nous sommes sauvés, notre Dieu. Nous sommes sanctifiés, nous sommes consacrés. Nous avons remis notre vie entre les mains de Dieu. Voici notre Dieu que nous servons. Notre Dieu est capable, il peut. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il a divisé la mer Rouge, il est capable. Il a renversé, démoli les murailles de Jéricho, il est capable. Il a noyé Pharaon et ses chars dans la mer Rouge, il peut le faire. Il a vaincu l'orgueilleux Goliath avec une petite pierre. Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Alors, il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il vous délivrera toutes ces choses qui rugissent, qui mugissent. C'est la réaction d'un homme, c'est l'homme. C'est l'homme des narines duquel il n'y a qu'un souffle. Dieu a pu envoyer un ange pour détruire 185 000 soldats assyriens une seule nuit. Si Dieu peut faire ça, Dieu va vaincre pour toi. Dieu va t'affranchir totalement de ces choses qui essaie d'amener la crainte dans ta vie au nom de Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Voilà le verset 2. Deuxième partie ici. C'est leur conviction et leur intrépidité constante malgré la foi. Vous devez avoir la conviction avant que l'épreuve ne soit là. Ayez une conviction avant que la tentation ne soit là. Ayez une conviction. Voici ce que je vais faire. Voici ce que je ne vais pas faire. Voici comment je vais, jusqu'où j'irai. Voici jusqu'où je n'irai pas. Voici ce que je peux. Voici comment je vais traiter cet homme-là. S'il va au-delà de cela, non. Voici jusqu'où j'irai avec mes parents incroyants. S'ils vont au-delà de cela, je ne vais pas. Tu dois avoir cette conviction avant l'épreuve, avant leur furie, avant que ces choses ne t'arrivent. Leur conviction et leur intrépidité constante malgré la furie. On a déjà lu de Sadrach, Meshach, Abednego. Voyons, Daniel 3, Daniel 3, 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Avant de sortir le matin et raconter les défis de la vie, avant de faire face à quelqu'un, à un homme, à une femme dans la vie, avant de sortir le matin, que cela soit réglé dans ton esprit. Qu'est-ce que ton Dieu peut faire? Qu'est-ce que ton Dieu peut faire? Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu peut faire, tu ne connais pas, tu ne sais pas qu'il est capable, comment tu peux supporter? Éphésiens 3, 19. Éphésiens 3, 19. Éphésiens chapitre 3, 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Lorsque vous êtes remplis de la plénitude de Dieu, vous n'allez pas trembler devant un homme mortel, quel que soit ce que l'homme a là, quel que soit ce qu'il a, quel que soit ce qu'il peut faire. Parce que c'est dit au verset 20. Verset 20 dit,
Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors réglez cela à la maison avant de sortir. Il ne faut pas éviter le rendez-vous que vous avez parce que la personne là sera là. Jamais. Il ne faut pas éviter quelqu'un que tu vas confronter parce que je connais son esprit, je connais sa taille. La peur va ruiner ta vie. Tu ne peux rien réaliser dans la vie. Il ne faut jamais éviter un défi, un inconfort. Va en comprenant qu'il y a une puissance qui agit en toi. Et Dieu peut faire. Dieu peut faire. Au-delà, il peut faire, il peut faire, il peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Si tu continues de t'attrister, pourquoi tu pries? Si tu continues comme une méduse, il n'y a pas d'épine dorsale, tu as peur de tout. Si tu vas éviter ce que Dieu t'a appelé à faire, pourquoi tu pries? Dès que tu pries, tu comprends que mon Dieu est capable, que mon Dieu peut faire au-delà. Il peut agir infiniment au-delà de tout ce que je demande. Et verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et non à Nebuchadnezzar la gloire. Il est un homme de pouvoir, un homme impérialiste. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voyons numéro 3 ici. Nous allons voir leur claire consécration et leur fidélité aux fidèles. C'est le Dieu fidèle. Parce qu'il est fidèle à toutes les prophéties qui sont déclarées dans la parole de Dieu. Il est fidèle à toutes les promesses qu'il a données. Il est fidèle à tout son peuple. Et il a dit à son peuple que voici ce qu'il fera pour eux. Et jusqu'à la fin du monde, jusqu'à toutes, au travers de tous les âges, jusqu'à l'éternité, tout ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ce qu'il a ordonné, tout sera fait. Et Nebuchadnezzar ne peut changer les promesses de Dieu. Nebuchadnezzar ne peut changer les prophéties de la parole. Nebuchadnezzar ne peut changer la faveur que Dieu donnera à son peuple. C'est pourquoi vous devez savoir que vous devez avoir la consécration. Au fait, faites votre consécration avant de rencontrer les gens puissants de ce monde, les tyrans du monde, les tentateurs du monde. Ouais, le problème est que si tu ne fais pas ta consécration, sachant que voici là où tu te tiens, voici là où tu vas prendre position, avant de rencontrer ces gens-là, ta prière, ton engagement, ta consécration, alors tout dépendra de leur personnalité parce que tu as vraiment si peur d'eux. Que cette consécration soit réglée, que voici ce que je serai en Christ, voici ce que je ferai en Christ, voici tel que je dois prendre ma position. Lorsque cela est fait, maintenant, tu auras la fidélité aux fidèles. Nous allons à Daniel 3, verset 18. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adhérerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voyons, 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés. Dieu ne vous jetera pas dans la main du diable. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter.
afin que vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez la supporter. Dieu va frayer une voie. Vous allez sortir sans que le feu de Nebuchadnezzar ait l'effet, ait l'impact sur vous au nom de Jésus. Vous allez sortir de la persécution sans que la persécution, l'épreuve change votre personnalité, votre engagement et tout ce que vous avez dit au Seigneur. Je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Voici comment je vais vivre pour le Seigneur. En une fidélité complète au Seigneur, tous les jours de ma vie. Et le verset 14 dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Vous savez, quelle que soit la menace des idolâtres, cela ne peut rien te faire. Alors, fuyez l'idolâtrie. Nous allons à 2 Timothée. 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. C'est la main que vous avez là. La main là. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Tous les autres juifs à Babylone, à part Sédrac, Meshach et Abednego, et les juifs qui s'étaient prosternés à l'idole, qui s'étaient prosternés devant Nebuchadnezzar, la question est que, où sont aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Les gens qui ont changé leur conviction, lorsqu'ils étaient à Jérusalem, en Judée, et ils n'adoraient pas l'idole, ils ont été déportés en captivité à Babylone et la menace et les menaces et la domination de Nebuchadnezzar les a fait succomber. Alors, s'ils ne s'étaient pas repentis de cela, où sont-ils maintenant? Vous connaissez la réponse. Nous connaissons Sadrach, Meshach et Abednego, où ils sont maintenant. Ils sont au ciel avec le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Le Seigneur les a délivrés littéralement le jour-là, en ce jour-là. Le Seigneur les a délivrés de la fournaise ardente. Maintenant, ils sont au ciel. Le Seigneur les a délivrés du feu éternel. Maintenant, ils sont au ciel. Nous allons faire un choix au sujet de là où nous allons passer l'éternité. Et nous n'allons permettre à rien de leur présence de nous faire fléchir devant l'idole du monde, l'idéologie du monde, les personnes du monde. Mais plutôt, nous devons tenir ferme pour Dieu, afin que lorsque notre heure sonne, nous soyons au ciel au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous délivrera de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur vous sauvera pour vous faire entrer dans son royaume céleste. À notre Dieu, à notre Seigneur, à notre Rédempteur, soit la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, tenons-nous debout maintenant et apportons tout au Seigneur en prière. Le Seigneur nous a enseigné ce jour, nous a rappelé que notre vie doit être, la conviction que nous devons avoir, le courage que nous devons avoir, le genre de vie que nous devons avoir. Parlez au Seigneur. Il a donné la grâce à Sadrach, Meshach et Abednego. Il vous donnera la grâce que vous traversez les choses jusqu'à la fin de cette vie, vous n'allez pas passer l'éternité. Loin de Dieu, vous allez passer l'éternité au ciel au nom de Jésus.